Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Alpha Empire 2 HD. Et aujourd'hui, nous attaquons à la deuxième mission de la campagne de Barberousse qui intitule Henri le Lion. L'Empire était très florissant et sa population connaissait une croissance rapide. Les Germains ont abattu des forêts, asséché des marécages et assaini des terres. Cependant, il manquait toujours de l'espace. En annexant à l'Empire l'immensité de la Pologne, la pression aux frontières s'en trouverait atténuée. Pour s'occuper de la Pologne, Barberousse s'est adressé à l'un de ses plus puissants vassaux, Henri le Lion. Henri était un puissant prince de Saxe et ses palais décadents dépassaient ceux de l'empereur. Henri le Lion avait juré fidélité à Barberousse, qui, de son côté, se demandait si Henri le Lion ne voulait pas s'emparer de tout l'empire pour lui seul. En ordonnant à Henri le Lion de l'aider à soumettre la Pologne, Barberousse voulait mettre à l'épreuve son serment d'alliance une fois pour toutes. Bon, à savoir qu'il ne faut pas confondre Richard Cœur de Lion et Henri le Lion, c'est juste le même surnom les deux. Donc battez à Pologne, les états de Bavière et de Saxe. Les Saxe là, la Bavière là, sont dévorés par nos armées et de Richard, défendez à tout prix, parce qu'ils n'ont pas de défense. Votre Majesté, les comtés de Bavière et de Saxe nous fournissent les ressources nécessaires pour équiper l'armée impériale, mais nous devons les défendre contre les Polonais. Alors. Donc, nous avons notre allié Henri le Lion derrière, je vous présente un peu sa base, il a quelques tours de guet. Un atelier de siège, une écurie, une caserne, et surtout, il a un château. Les Polonais sont des gods, donc ils ont plusieurs châteaux, qu'il faudra qu'on guide, hein, bien évidemment. Quant à moi, il me faut quelques béliers. Alors, on n'a pas de villageois pour l'instant, mais il y a un moyen de le récupérer, mais je vais pas vous présenter de quelle technique. Je vais vous montrer ce qui se passe quand on joue de manière traditionnelle, c'est-à-dire quand on ferme cette mission-là pour la première fois, je vais vous montrer comment ça... qu'est-ce qui se passe exactement. Alors. Hop. Une relique ici qu'on peut aller chercher parce qu'on a... De toute façon, on n'a pas de quoi aller chercher. Donc ça c'est bon. Alors ici, voilà. Alors Henri le Lion est en fait un vassal de Barberousse, même s'il a de la famille. De mémoire, je crois que c'est son oncle à l'époque qui était roi d'Angleterre. Donc Henri II, roi d'Angleterre. Attendez, il me faut quelques navires. Je suis en train de vendre tout ce que je peux en faire. Il était de mémoire. Vraiment de mémoire, hein, je peux me tromper. Il contrôlait la Saxe, donc il était duc de Saxe et d'une partie du nord de l'Allemagne. Enfin, du Saint-Empire. C'était l'un des vassals les plus influents. Mais ironiquement, c'est aussi celui qui a pas de chance. Parce que vu la manière dont était répartie cette terre, il y a la moitié de cette terre au nord, la moitié au sud, ben ça. C'est pas forcément pratique à gérer. Non mais là, ici, on continue à explorer avec. Allez, je suis à l'âge des châteaux. Eh oui. Évidemment. Bon. C'est pas grave. Donc ici, on remplit nos béliers de chevaliers teutoniques, on les envoie. Parce qu'il faut savoir que la Pologne fera quasiment uniquement des unités, enfin presque des unités
d'infanterie. Ouais, je cherchais le terme. Donc abusez-en un peu. Vous faites des unités qui sont efficaces contre. Ils feront aussi beaucoup de navires. Et je crois... Ah mais si on a ça, je suis bête. Ok, le... La Bavière est plus rentable. Charte de commerce en Bavière. Et par contre, je récupère juste ça. Donc eux, ils vont attaquer un peu tous mes tours de guet, c'est tout à fait normal. Voilà, on a des ressources qui nous seront données comme ça. Pierre, or, nourriture. Voilà. Donc ici, le but, c'est vraiment de récupérer... Ah, par contre, j'ai repris mes troupes parce qu'en soi le bélier va sûrement mourir, ça je le sais. Ouais, je perds des troupes. Il leur faut des nouveaux béliers. Donc lui il fait son boulot, mon éclaireur, il récupère ce que j'ai donné. Enfin il scoute pas mal de territoire. Ah c'est un lugubre carrément. Vivement que j'ai détruit un des ports, ça sera... Donc là, s'ils attaquent pas à droite, je vais en profiter pour envoyer mes chevaliers ici. Alors la mission n'est pas si simple que ça. Elle est globalement assez dure, pour être sincère. Enfin, assez dure. Mes chevaliers qui sont toujours pas revenus en plus, donc c'est énervant. Mes unités à distance qui maintenant j'ai oublié de les replier. Putain, qu'est-ce que c'est fou ça? Ah bah tant qu'il attaque mon allié, c'est bon. La Saxe m'a pas versé. Alors c'est beaucoup de bois, donc on va faire d'autres charrettes de commerce. Je sais pas combien j'en ai. On va faire 3 de plus. Et là, c'est pas trop grave si le lion se fait attaquer, il a largement de quoi se défendre. Thank you.
Par contre, mes troupes vont se soigner un peu parce que c'est un sacré état. Voilà. Ça, c'est bon. Ici, il n'y a plus de port. S'il y a un port, je crois qu'il est au nord. Et je sais plus s'il y en a un en fait là. Donc ici il m'en faut un petit peu plus. Les chevaliers, je vais réutiliser ce que j'en ai besoin, là j'ai pas le choix. Et une fois qu'on a détruit le dernier port, en fait on sera tranquille au niveau naval. Donc on n'aura plus besoin de faire de navire. Enfin, on pourra faire des navires de guerre, mais on n'aura plus besoin de faire des navires de défense. Mais il se fait laminer ou quoi? Peut-être aller l'aider à ce rythme-là. Bien évidemment, je vais revenir un peu au niveau côté historique. Henri le Lion, étant l'un des vassaux les plus puissants de Saint-Empire, il voudra récupérer un peu le titre d'empereur et il se querellera beaucoup avec Frédéric Barbarousse. Pour pouvoir récupérer le tout. Et il me semble qu'il n'y a plus de port. Par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'attaque pas Pologne. C'est vrai qu'il y a un truc que j'ai pas expliqué. Vous voyez qu'ils ont un score énorme, c'est du fait qu'ils ont donné en fait énormément de ressources à ces factions-là. Pour qu'ils puissent produire en permanence des troupes sans avoir de villageois en fait. Ah, j'ai perdu un... Je sais plus s'il y a un troisième port, je ne crois pas, mais donc doute on va quand même vérifier. Hein. Alors ils ont de mémoire 3 châteaux. J'en vois 3, je crois pas qu'il y en ait un de plus. 2 ateliers de siège, peut-être plus. Je crois qu'il n'y en a que 2. Et port, je sais plus combien ils en ont, donc c'est pour ça que je remonte tous les fleuves si vous faites attention. Mais je crois pas qu'un autre aussi loin, il n'y en a pas aussi loin. Donc les chevaliers vont se reposer. Les piquets se reposer. Et c'est là que j'aimerais bien avoir un moine quand même. 6 unités de commerce, je peux en faire 4 de plus, mais on va les faire. Alors vraiment par contre profitez du commerce, du fait que vous pouvez pas avoir de villageois, profitez-en. Le fait qu'il ait attaqué, bon ben ça arrive, hein, mais bon vous voyez comme il est attentif. C'est quand même bizarre. Donc ça je n'en ai plus besoin. Je crois que j'ai plus besoin de mes navires en fait. Alors, préférez le commerce avec la Bavière plutôt qu'avec la Saxe. Même si là c'est un peu bugué, normalement il devrait mettre 29. Pour une raison, je pense, évidente. La Saxe est ici, ça rapporte que 13. Ici ça rapporte 29, donc profitez. Utilisez ceux qui rapportent le plus. Thank you.
En fait, la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils m'ont donné la technologie pour mentionner plus vite dans les bâtiments? Si c'est le cas... Non, je l'ai pas, médecine de plantes, je suis bête, etc. Heureusement qu'il n'y a pas de logistique. Donc ça c'est bon. Là il renvoie des troupes. J'ai plus besoin de navire. Ce qui est bien pour ma pop en tout cas, parce que j'ai plus besoin de m'occuper de ça. Après c'est lui, un plus des gommes de bâtiment et teutons, enfin plus il s'occupe d'eux, enfin de d'Henri le Lion, plus je suis tranquille. Attendez, juste un truc. Ah oui, j'ai oublié de préciser un truc, c'est vrai que je viens d'y repenser. J'ai téléchargé un dernier mode. Enfin, rajouter un mode qui vous met en gros le temps de recherche et les bonus faits. Bon, c'est en anglais, c'est pas important. Mais en plat, ils mettent à charge de commerce speed 1, 1.5, ligne de vue, etc. C'est un petit mode que je voulais insérer depuis un petit moment et qui est, je trouve, très intéressant et très agréable. Et mais bon, bon. Par contre, mais il le focus tellement, mon allié. Donc, le bois c'est bon, la nourriture pas mal. Donc, ici il me faut ça, plus quelques béliers. La recherche là. Donc on va y soigner donc château, ces troupes là. Ah ça, ça peut être bien par contre. J'ai un aligote. Donc ce que je ferai est tout à fait normal. Je vais mettre des béliers ici pour pas en fait directement débarquer les gars. Sans me taper tout le chemin. À certains moments, me taper le chemin, c'est un peu long. Par contre, ce qui est génial, c'est qu'ils m'ont donné plein de ressources pour faire des archers. Deux crans. Ouais, autant en mettre 3. J'aurai ça et j'aurai ça. Donc mes béliers sont prêts à partir. Par contre, faut vraiment que je soigne mes troupes. Là.
En fait, ce qui m'interpelle, c'est qu'Henri Hulgan, il attaque pas l'ennemi, il fait que débarquer des troupes, c'est frustrant. Enfin, il fait que scouter, excusez-moi, je me suis mal exprimé. Il attaque pas, il scout. Ce qui est un peu dérangeant, quoi. Mais un peu beaucoup, à dire vrai. Enfin bon. Faudrait bien que j'ai trouvé un château, ça ferait des troupes en moins. Donc ne pas hésiter. Je sais que c'est pas efficient, mais bon, parfois on n'a pas le choix. Château. En fait, une fois un château détruit, je limiterai énormément leur assaut sur moi. Donc ça, déjà un bon point. Et surtout, ça m'aura déjà 22 pop, donc c'est pas négatif. Et c'est surtout les unités, on en aura tellement. Qu'en avoir quelques-unes en moins, ça serait soulageant. Les piquets sont pas très efficients en compte, mais bon. C'est bon, le château là est mort. Bah Bruce, j'ai des mauvaises nouvelles pour vous. Vous voyez, c'est moi qui devrais être l'empereur de la Terre Sainte. Agenouillez-vous devant les lions. Donc voilà. Alors, la technique. C'est pour ça que je vous ai dit que je jouais normalement. Une autre technique, c'est qu'en fait, dès le début, vous mettez en neutre et vous grasez. Son Altesse Impériale, Henri le Lion, a la souveraineté sur une population de paysans. Nous devrions les capturer pour ne pas dépendre de nos alliés pour les approvisionnements. Et c'est pour ça. Et là où ils sont emprisonnés, ils sont ici. Comme par hasard. Que je suis attaqué. D'accord, c'est lui qui m'attaque.